contre la pollution. À mon école, il y a des élèves qui jettent les déchets partout, sans se soucier de la propreté, de la peau, de l'établissement. Mais quels sont les dangers? Les dangers et les conséquences de cette action. La pollution est une dégradation de l'environnement. L'élève doit être éco-citoyen. Éco-citoyen. Ça veut dire quoi? Ami de ami de quoi? De la nature, d'accord? Oui, continue. Une bonne image de son éducation. En jetant les ordures dans les poubelles. Ensuite, les employés de l'établissement sont fatigués de nettoyer la cour après chaque récréation. Car c'est une corvée de plus pour eux. Enfin, jeter les ordures en emballage de bonbons, chips, maïs, etc. Oui? Dans la cour de l'école. Néfaste pour la réputation et l'image de l'établissement. Donc, nous devons suivre des gestes simples pour éviter la pollution. Oui. Mettre les déchets dans les poubelles. Ne pas gaspiller l'eau, très bien. Le tri des déchets et respecter autrui. Très bien, bravo.